Bonjour tout le monde, là, pour vrai, là, on commence, j'arrête pas, là, je continue. On repart sur un nouvel épisode des Nordiques de Québec. Une nouvelle série des Nordiques de Québec, mais là, je sais pas, par exemple, qu'est-ce que je fais? Je fais-tu Made in Québec ou Made in Canada? Parce que Québec, on sait que c'est pas gros, tandis que Canada, il y en a plus. Mais ouais, on fait Made in Canada, frappé au Canada. Dans l'expansion, je dois le pogner des joueurs canadiens et au draft, puis au revenant de la libre aussi, gang. Ok, c'est bon. Oh, nope, toutes des équipes que je veux pas aller, hein, c'est vrai. Un agent des Free Agents. Ça va falloir qu'on signe des gars, là, je trouve. Il n'y a rien de pertinent aux gens en libre à propos des jeunes. Donc, ils n'ont pas de grande valeur. Nave d'expansion, juste le droit de repêcher des Canadiens. Excusez-moi, pardon. Nationalité. Je vais peut-être avoir le 8 si fait dans pas grand temps. Fait que les vidéos vont se transformer sur le Franchise Hockey Manager 8. Dans pas grand temps, sûrement des prochains jours, prochaines semaines. Bon, gardien qu'on a canadien. Mesdames et messieurs, les Nordiques de Québec sont fiers de sélectionner des Panthers de la Floride, Chris Rieger. Les Nordiques de Québec sont fiers de sélectionner les Canucks de Vancouver, Brandon Holby. Les Nordiques de Québec sont fiers de sélectionner un jeune gardien qui a un grand potentiel, des Prédateurs de Nashville, Connor Ingram. Excusez-moi, pardon. Putain, ont-tu mis... Ils ont pas laissé le géant. Bon, les Nordiques de Québec sont fiers de sélectionner les Oilers d'Edmonton, Tyson Barry. On est fiers de sélectionner du Lightning de Tampa Bay, David. Ça va! On est fiers de sélectionner de l'Avalanche du Colorado, Devin Tays. Les Québec sont fiers de sélectionner des Ducks d'Anaheim, Hayden Fleury. Les Nordiques de Québec sont fiers de sélectionner des Jets de Winnipeg, Logan Stanley. On est fiers de sélectionner les Flyers de Philadelphie, Philippe Myers. On est fiers de sélectionner un autre défenseur encore. Des Blues de Saint-Louis, Marcos Scandella. Un autre défenseur qu'on est fier de sélectionner. Des Stars de Dallas, Jamie Oleksiak. Encore un défenseur à repêcher, nous sélectionnant le Coyote de l'Arizona, Jason Demers. Passons aux attaquants maintenant. À l'aile gauche, on est fiers de sélectionner des Columbus Blue Jackets, Max Domi. On est fiers de sélectionner un petit gars des Hurricanes de la Caroline, Jordan Martinook.
Ensuite, nous sommes fiers de sélectionner un gars des Kings de Los Angeles, Brandon Lemieux. Notre quatrième sélection aux ailes gauches, nous sélectionnons Nous allons revenir. Passons au centre. Comme joueur de centre, nous sommes fiers de sélectionner les Islanders de New York, Casey Cizikas. Cody Eakins. Alexander Kerfoot. Et Brandon Gignac. Maintenant, passons aux ailiers droits. Nous sommes fiers de sélectionner du Canadien de Montréal, Josh Anderson. C'est bien qu'on comprend, hein? Ou c'est des Penguins de Pittsburgh, Jeff Carter. Les Rangers de New York, Julien Gauthier. Les Flames de Calgary, Brett Ritchie. Alors, on va chercher un autre à la gauche pour compliquer notre attaque. En recherche, nous allons repêcher, excusez-moi. Un petit gars qui a un petit jeune qui a un bon potentiel. Il vient de chez nous, du Québec, des San Jose Sharks, Jeffrey Trichot. Viel. Maintenant, passons aux attaquants totales pour le reste du repêchage. Nous repêchons Justin Nika, suivi de Jean-Christophe Baudin, de Robbie Fabry. Daniel Osprong. C'est vrai, c'est tout dans le prochain gardien. Carson Soucy. Et pour finir, le dernier choix au repêchage, c'est un joueur des Blackhawks de Chicago. Nous allons repêcher un jeune prometteur, hein? Riley Stillman. Juste des Canadiens pour une équipe du Québec. On a le droit de repêcher juste des Canadiens, puis aller signer aux Jeux en libre. Juste des Canadiens. Maintenant, je vais vous montrer, comme équipe AHL, on a Lyon Trois-Rivières, puis comme SCHL, la East Coast, les Dynamos de Shawinigan, deux équipes à Shawi, mesdames et messieurs, trois équipes à Mauricie, les Dynamos, les Cataractes et les Lyons. Mais, alors, ouais. Ouh, qu'on est serré, ouh, on n'est pas serré, ça là, ça masse. On l'a envoyé en AHL. On va ranger ça en def 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jason Demers. On va pas descendre trop des. Riley Stillman, tu vas descendre. C'est un petit contrat. Logan Stanley aussi. Tu vas monter mais vite.
Eden Fleury aussi, c'est un petit contrat. Qui n'a aucun petit contrat. Petit gars comme Phil Myers, il va descendre. Juste deux attaquants à enlever. Jean-Christophe Baudin. Puis Brett Eucci. Ah, mais non, il est ouf. Alright, all position. Marco Scandella et Scratch. Alright, le premier capitaine de l'histoire des Nordiques de Québec back sera le cher. Yo, promet. Ah, il va être longtemps avec nous autres. En tout cas, pour tout de suite, il y a 7 ans de contrat. Josh Anderson. Ses acolytes seront Devin Tease, qui était 4 ans. Et Tyson Barry, qu'on va re-signer, qu'on a en masse de place, en masse. Mettre ça à 5 millions. Pas pour 3 ans. Pour 8 ans, on va tenter 4,75 pour 8 ans. Va-t-il accepter? On va donner 4,5 pour 8 ans. Welcome to Québec, thank you. C'est ça, notre alignement sera notre line-up. Nos lignes. Max Domi, tu t'en vas jouer au centre. Martinuk. Brendan Lemieux. Moi, ça me tente d'avoir Julien Gaussier là. Stunica là. Sprung le quarter, ça a 4. Alexis, ça me tente de l'avoir, ça a first. Ceci de même. Oh, ceci là, ça va là. Bon, oui, c'est le même. Powerplay, ça a l'air d'être bien good. Je vais avoir ça. Ok, alright, c'est good. On va tenter maintenant d'aller voir si Free Gentleman, c'est pas quelque chose là. Ah, non, il y a rien. Upcoming Free Gentleman. Chris Derrigger. C'est 1,15 pour 4 ans. Il va vouloir Jimmy Oleksiak. Ça, c'est un gros contrat qu'on signe. Donc, 4 millions pour 8 ans. Et voilà. Jimmy Oleksiak, c'est réglé. Demeure savant, on va savoir si ce mec ici est bon. Logan Stanley, 920 000, c'est Gucci. Finance, on a 19 millions de places en masse l'an prochain. Chris Digger, tu vas avoir 60, on va te le donner. Savant, tu vas avoir 58, on va te le donner. Marco Scandella va avoir le 6, mais c'est Jimmy Alexiak, on va y mettre le 8. Alexiak est 8. Oh, Alexiak est 8. Alexiak, tu vas avoir les 8. 55 pour Jason Demers. 48 pour Martinuk. Ça va être Brendan Lemieux qui va avoir 48. Fait que Martinuk va donner le 38. Brendan Lemieux, tu vas avoir le 48. 53 Casey Zizikis. Le 20 pour Cody Eakins. Kerfoot, on va plus faire le case Kerfoot, on va te donner le 9. Josh Anderson, tu vas avoir le 17, on va te le donner mon chum. Carter 77, on va te le donner mon chum.
Le 12 à juillet, Cozy, on va te le donner, mon chum. Le 63 à Jeffrey, on va te le donner. Le 23 à Stunica, on va te le donner. Le 21 pour Souci, on va te le donner. Et c'est tout pour les chandails. On va continuer à simuler, simuler, simuler. Made in Canada. On va tomber sur le 8 à prolonger. Oh man. Il y en a le 8. Mettons. Mettons. On va chercher le joueur canadien. Jimmy Nelson, Maxime Courtois, Delaurier, Nicolas Delaurier. On pourrait tenter de l'acquérir contre un pic. De 7e round. On va tenter d'acquérir Nicolas Delaurier, on va tout. T'sais, les Québécois, les Canadiens, c'est made in Canada. Je vais dire. Canada. Contre un pic de 6 alors. Peut donner plus qu'un 5 pour des loups. Hein. Hughes, Dash. Oh! Ça a l'air. Donc là, finalement, on connaît les quatre finalistes pour le poste de DG du Canadien de Montréal. Hughes, je sais pas c'est qui. Je sais même pas si c'est pas le français. Dash, Briand et Patrick Roy. Igor, je suis choqué. Là, deux fois les matchs pré-saison. Expansion draft and pre-season. In this video. Les matchs en coco s'en viennent là, Vegas qui s'en vient. On le voit ici à droite. Please set your captain, it's fine, it's okay. Alright. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un? Oh, oui, c'est Chris Duguay. Victoire de 2-1. Premier match en coco, premier victoire, premier match en carrière dans la Ligue nationale. Pas tellement en carrière parce qu'il n'est pas officiel, mais bon. Robbie Fabry son premier, on a gagné en shoot-up. Son premier avec l'aide de Jeff Carter et Casey Sizikis. On va continuer ça, ces matchs en coco là.
contre les Jets de Winnipeg. On va mettre à Brandon Ulby. C'est une défaite avec Brandon Ulby dans les filets. Le 5 à 2. Martinuk qui a l'air de Josh Anderson, Jamie Oleksiak. Et Jamie Oleksiak qui a l'air de Tyson Barrie et Jordan Martinuk. 2 points de la smash pour Martinuk. Je pense pour Barrie aussi. Oh! Quelqu'un de blessé. Et c'est Brandon Oldby. Connor Hager, Connor, j'ai une toune dans la tête, j'ai une toune. Défaite de 4 à 1. Chez Tudor, Nicolas Roy, William Carson a marqué, Brendan Lemieux, marqué du cas à 3-1, puis c'était trop pour d'autres. Le de Carson, c'est aussi. Contre les Capitals de Washington. Contre les Capitals de Washington. Je sais que Sean Bell victoire de cette agape. Ikin avec l'aide de Kerfoot. Sonika avec l'aide de Taze et Soucy. Soucy avec l'aide de Taze et Domi. Sonika avec l'aide de Kerfoot. Barry avec l'aide de Anderson et Jordan Martinuk. Et en troisième période, Max avec l'aide de Taze et Soucy et Domi avec l'aide de Gauthier et Brendan Lemieux. Ben Braxton! Ben bon, qui vient c'est? Bon, on a Jason Demers qui va se faire remplacer par Scandella. Il va là, ça allait se déplacer. Puis on a Dylan Sprung qui va se faire remplacer par Brendan Gignac. Qui lui aussi va aller se déplacer. Et out. Du match. Tyson Barrie is D to D list. On joue à 13 à 15 avec un défenseur, mais j'ai mieux monté. Philippe Myers. Philippe Myers. Myers, Myers, Myers. I'm fatigué. Je suis fatigué. Les Myers, we have five number five. Connor Ingram. Défaite, je pense que c'est le dernier match que je vais vous rappeler. Je suis avec Anderson Domi et c'est ce que ça va être l'aide de Kerfoot et Jeff Carter. I think it is the last game of the pre-season et not a restaurant game. Oh, Brendan Domi is back. Oh, et puis, oh, et puis, oh, Hey, excusez-moi, pardon, Brandon Olby, tu vas dans le filet.
Tu me descends pas, et toi, tu vas faire le captain. Twin Income Development. Anderson, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Oh, plus 2 pour Jimmy Alexia qui a des classes. Il n'y a pas de moins au moins. Toi, let's go. Jeff Carter avec l'air de Brendan Gignac, Philemon Doom avec l'air de Kerfoot, Kerfoot avec l'air de Fab Eakins et Martin avec l'air de Vives. Guys, c'était le dernier match de la pré-saison. Sur ça, je vous dis au revoir à la prochaine fois de ma vidéo. Ciao, ciao.